position que la mère et le chat. Charlie a la même position que Jen, les gars. Hey cool, dans un nouveau vlog, nous sommes donc le 14 août, il est 17h48. J'ouvre le vlog seulement maintenant. Vous avez eu un tout petit passage de quelques secondes où j'ai filmé cette nuit, il devait être 2h du matin, et que Jen et Charlie avaient exactement la même position. Voilà, les pieds en dehors du lit. Voilà, en gros, tel maître et tel animal. La bougie qui brûle, donc c'est menthe chocolat. Ça, vous l'avez vu, mais vous avez aussi vu que j'ai allumé une bougie funéraire, une bougie commémorative. Tout simplement parce que je suis allée ce midi faire un petit tour chez Action. Tout simplement parce que j'avais besoin de nouvelles boîtes. Voilà, il me fallait 13 nouvelles boîtes. Donc j'ai pu trouver mes 13 boîtes. J'avais une casserole en semaine d'Action. Il me fallait une nouvelle casserole, donc je l'ai prise. Et ensuite, je me suis laissée tenter par des bêtises. Une barre protéinée cheesecake citron. Voilà, un bifi qui a je sais pas quoi là, vous savez ce qu'on avait goûté dans le dégustation Action, c'est vous savez le bifi avec le pain brioché et le salami intérieur un peu style pizza. Je m'étais pris ça pour ce midi et je me suis laissé tenter par des tucs crème oignon. Voilà. Et le mix pizza, là, vous savez, le paquet vert avec, je sais pas, il y a des pretzels dessus, mais ce qui va rester, c'est pas des pretzels. Voilà. En fait, à la base, j'y allais pour les boîtes et des serviettes de toilette. Parce qu'en fait, au moment dans la voiture, je me suis dit, t'as pas des serviettes à me donner parce qu'en fait, bah, nous, c'est la galère. Voilà. Elle me fait, bah, elles sont pas toutes neuves et tout. Je dis, bon, ok, je vais regarder les prix et j'en prendrai deux. Donc j'ai pris deux serviettes de douche, hein, quand je dis toilette c'est de douche, parce qu'en fait quand nous on les lave, c'est très chiant d'avoir des serviettes sèches, clairement. Donc autant avoir des serviettes propres. Et j'ai pris donc aussi la bougie funéraire, donc elle est pour Cannelle. Muffin Melba, allez c'est Jen, Muffin Melba. Jen est claquée, elle n'a pas dormi de la nuit. Moi je suis rentrée, il y a 14h je me suis couchée, quoi, recouchée. Parce que techniquement, je me suis couchée, il devait être 4h du matin, 3h30, 4h. Ma fine, 3h30, 4h. Et je devais être debout avant 11h. Voilà. Parce que ma mère passait me prendre vers 11h15, 11h30. Voilà. De toute façon, l'Action où j'allais n'ouvrait pas avant 11h. Donc, voilà, donc à la base, j'y allais pour les boîtes et limite la bougie et les serviettes. Voilà pourquoi j'y allais. Et bon, au final. Quelques bêtises se sont rajoutées. Mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi quand même à me restreindre. À la base, j'y allais aussi pour des enveloppes bulles. Je ne les ai pas trouvées. J'ai trouvé aucune enveloppe bulle. Alors là, je suis choquée. Ma mère, elle m'a dit, mais moi, j'ai du papier bulle et des enveloppes craft, en fait. Donc, limite, elle va me donner ce qu'elle a. Voilà. Donc là, il fait 26,6 degrés. Dans l'appartement, j'ai déjà converti le Fahrenheit. On a 79,9 Fahrenheit. Donc, ça fait 26,6 degrés. Ah, ça pique. Hein. Et pourtant, tous les ventilos tournent. Là, j'ai coupé le mien à côté de moi pour pas que ça souffle trop fort. J'ai sorti les chiens vers 11h05. Et là, je viens de les ressortir vers 17h30. Voilà. Là, ils vont pas tarder à manger. Et Melba, laisse Jen. Ils vont pas tarder à manger et ressortir une autre fois. Voilà, je vais les ressortir. Ils vont pas manger tout de suite. Parce que si je les ressors tout de suite, voilà. Ou j'ai dit, ils vont pas manger tout de suite. Melba, elle me regarde d'un air vénère. Bah, t'énerve pas, Melba. La crevette. Oula, oula. Elle fait tout tomber. Tu fais tout tomber, mon chien. Ouais, j'ai osé dire que vous n'allez pas manger tout de suite, c'est ça? Mais t'as eu une friandise au réveil. Non. Non, ça... Non, mais regardez, là, là. Ça ne pense qu'à bouffer, ce petit truc, là. Ça ne pense qu'à manger. Tu vas attendre pour manger? Tu vas attendre. Dis-moi que tu vas attendre. Dis-moi que tu vas attendre pour manger. Oh non, mais regardez le jaloux, là.
Non mais elle est hallucinante cette fille. Oh ben arrête de fouiner, tu vas manger, oui. Oui, tu vas manger, mais pas tout de suite, pas tout de suite. J'en peux plus de ces chiens. Non, ça suffit les chiens. Hey, non, non, non. Tu pleures pas. Tu pleures pas. Tu te tais. Tu te tais. Viens là. Voilà, viens. Câline-nous, maman. Câline-nous, maman. Donc voilà, j'ai commencé la traduction des fiches de sécurité et des IFRA pour donc les nouvelles fragrances des États-Unis. J'en ai fait deux. J'ai fait les deux, le pumpkin, la pumpkin pie et la pumpkin spice latte. Voilà ce que j'ai fait. Et là, je vais faire la clean coton. Quoique j'ai des vidéos YouTube à regarder, donc je les ferai plus tard. De toute façon, les fragrances américaines, vous ne les aurez pas tout de suite, parce qu'il faut que je fasse les CLP. Déjà, là, je suis en train de traduire les fiches. Après, il faut que je fasse les CLP. Il y a encore du boulot, hein. Vous les aurez pas avant septembre, je pense. Sauf si je carbure. Voilà, mais je pense que vous les aurez pas avant septembre. Voilà. Parce qu'après, moi, il faut que je comprenne, en fait, ce qui est dit. Parce que moi, je fais traduire avec Google Traduction. Mais après, il faut que je lise la fiche pour comprendre ce qui est écrit. Bon, techniquement, les fiches sont toutes similaires, hein. C'est toutes les mêmes choses. Mais bon, je préfère tout traduire. Voilà, il n'y a pas de problème comme ça. S'il y a un souci, tout sera traduit. Et je voulais aussi, faut bien que je regarde sur le site les pourcentages pour les bougies et les fondants. Donc c'est bien entre 7 et 10%. Voilà. Donc c'est bien entre 7 et 10%. Donc voilà. Voilà, il y a Chacha qui chasse. Je sais pas ce qu'il chasse, mais il chasse. Donc voilà, donc écoutez, je bois mon café et je vous dis à toutes. Quand Melba sort de sous la couette, il y a un souci du double coiffu. Je sais que t'es déjà moche, mais pas la peine de t'en les dire, mon chien. Quoique c'est encore plus mignon quand t'as les oreilles retournées. Hein, mon bébé chien? Oh oui, c'est plus mignon quand t'as les oreilles retournées. Ouf, câlinou maman, câlinou maman. Et là-bas, là, il y a le jaloux. Vous voyez pas très bien, il y a le PC juste au-dessus. Tu me rends maman? Mon bébé chien. Ouf, ouf. C'est dur la vie de bébé chien. Maman a dû couper les griffes. Il est 21h21, heure miroir. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est pas grave. Je viens de finir la traduction et les CLP des fragrances des États-Unis, puisque en fait, je me suis rendu compte que moi, je faisais n'importe quoi. Je passais en copiant la fiche en anglais, faisais du copier-coller dans le traducteur Google. En fait, au final, Google Traduction a aussi un logiciel pour traduire les documents, beaucoup plus simple et beaucoup plus officiel. Donc voilà, donc j'ai tout refait. Les 13, donc, 13 fragrances que j'ai, parce que j'en ai une que je ne commercialiserai pas, c'est la Firewood. Parce que déjà, moi, les feux de bois et au coin du feu ne partent pas spécialement. Et celle-là, je trouve qu'elle est trop puissante, donc ça ne partira encore moins. Je rappelle que si vous souhaitez passer commande, vous avez toujours mon site lesfondantsparfumsmadame.com et que si vous n'avez pas encore bénéficié du code HOP Bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% pour une commande à partir de 5 euros d'achat minimum. Il y a aussi les youtubeuses à qui j'ai partagé des codes promo offline, Mélanie Luna et Nina Kiel, elles ont, et aussi simplement Mylène, voilà, elles ont toutes les quatre des codes. Donc n'hésitez pas, les codes sont valables tout le temps, autant de fois que vous le voulez, et c'est à partir de 5 euros d'achat minimum aussi. Et voilà. Donc après, il suffit de vous abonner à ces chaînes pour profiter des codes. C'est mieux que d'aller exploiter les codes sans être abonné à la chaîne. Ça fait quand même moins, quoi, plus sérieux et un peu moins voleur. Voilà. Quoique après, il n'y a pas de question d'être voleur. Les codes, je les ai donnés. Donc après, voilà.
Donc ok, vous avez vu Melba et son super coiffure. C'était tout à l'heure, je te rends de traduire et puis. Non, je sais plus ce que je faisais. Ouais, j'avais mon PC un peu plus loin, j'écoutais le vlog de Messieurs Evelyse. Et je sais pas, je vois Melba qui sort de sous la couette avec double coiffure, donc les doubles oreilles retournées. J'aime trop quand elle fait ça. Déjà, elle est pas belle. Mais alors là. Regardez cette tête-là. Quand tu dis elle est pas belle. Oui, t'es pas belle. Oui, mais je vais être baillée. T'es pas belle, mon chien. T'es pas belle. Oui, ça gratte, ça gratte le cuisseau. Ça gratte le cuisseau. Ça gratte le cuisseau. Eh, c'est vrai que t'es moche. C'est vrai que t'es moche. Regardez cet air malheureux là. C'est vrai que t'es moche. T'es moche? C'est vrai? C'est vrai que t'es moche? Oui, mon petit couillon, c'est pourquoi? T'es la maman? Je vais faire câlin à maman, mon chien. Bah, je t'ai pas dit de venir en rampant. Oula, c'est pas drôle. Donc voilà. Donc, par contre, je ne sais pas quand je travaillerai les fragrances des États-Unis, puisque je n'ai pas encore préparé les boîtes. Et faut vraiment que je travaille pour faire le réassort de ce qui me manque. Voilà, des fragrances qui me manquent et les nouvelles que je dois faire. Les cinq nouvelles que je dois faire. Donc là, c'est l'or qui est donc inspiration Jean-Paul Gaultier. Là, le boss qui est inspiration Hugo Boss. Bois d'olivier, fleur de lotus et laiterie et cerisier qui est clairement le Rituals de Sakura. Et après, bah, je ferai plus tard les fragrances des USA. Voilà, là j'ai encore du taf à faire, donc il faut vraiment que je m'y mette ce soir. Voilà, faut que je m'y mette ce soir, mais là j'ai un coup de barre, mais vous savez, vous connaissez à 22h, non, il est 21h25. J'ai un coup de barre et puis après à minuit, je pète le feu. Voilà, clairement. Hier, j'étais dans un état de larve absolue. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog et j'avais un mal de crâne monumental. Et en fait, tout simplement, 1h30, je me dis, je vais me coucher. Non, déjà à minuit et demi, je me mets dans mon lit. Et je dis, putain, j'ai oublié de préparer la commande. Parce que oui, j'ai eu une commande hier. Et j'étais prête à me coucher et que je n'avais pas préparé la commande. Jen m'avait préparé les fondants, moi il fallait que j'emballe et que je prépare le diffuseur pour voiture. Et je fais émerde et tout. Et en fait, donc je fais putain, bon, je sors du lit et tout. Et puis finalement, je prépare la commande. Très vite, hein, puisque j'avais juste à préparer le diffuseur et emballer les fondants. Enfin, emballer la commande. Et puis après, bah, je me suis mis dans mon lit. J'ai commencé à. J'ai fait quoi? Je sais plus. J'ai commencé à jouer, je crois. Ou alors, je sais plus. Ce que j'ai fait. Et puis voilà. Résultat, bah, j'ai dû me coucher, il devait être 3h30. 3h30, j'ai dû me coucher. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Et puis je me suis réveillée, il était un peu avant 11h, puisque ma mère devait me prendre à 11h15, 11h30. Je suis rentrée 14h, je me suis mise au pieu. Je me suis réveillée à 17h15. Les chiens sont sortis vers 17h20, 17h25. Puis après, ben, j'ai commencé à faire les fiches. Et j'ai pas vu l'heure. Les chiens, ils ont mangé, était 18h30. Voilà. 18h30 passé. Ah ben, ils sont sortis, il était presque 19h. Hein. Ben, ça leur fait pas de mal de pas trop ressortir. Parce qu'ils étaient déjà sortis à 17h20. 17h20, 17h25, donc... Donc ça évite que en fait les sorties soient trop rapprochées. Donc là ça allait. Ça allait, les sorties n'étaient pas trop rapprochées. Donc voilà. Le fondant s'est éteint. Donc le fondant s'est éteint. Donc je vais tester. Je vais tester le firewood que moi j'ai pour l'odeur. Donc je vais le tester. Je vais mettre de la cire et un petit peu de fragrance. Muffin, laisse Jen. Muffin. Muffin. Mais ça suffit, oui. Oh, t'es pas possible. Muffin! Je crois qu'elle a pas envie, Jen, que tu l'écrases. Bah oui, tu l'as bien écrasée, là. Ce soir, on finit donc la pizza. Parce qu'on a enfin mangé la pizza qui m'a coûté une blinde, presque 9 euros, les gars. Donc, hier, on a mangé la moitié de la pizza. Ce soir, on la finit. Et après, ça sera brandade de morue. Et après la brandade, on a encore les steaks. Les steaks. Non, les steaks. Les jambons à poêler avec les flageolets et après on aura nos burgers. Voilà.
Et après, on a plein de nourriture au congélateur. Au congélateur, on a une cuisse de dinde. On a des bavettes, non pas des bavettes, des rams steaks à l'échalote. J'ai cousu des pommes de terre, je peux faire des frites, je peux faire une salade de pommes de terre. On a des os, des échalotes et du thon, hein, donc ça va, il n'y a pas de problème. Voilà, on a tout ça, donc après on a de quoi manger. Voilà, vous inquiétez pas. On n'a pas le frigo vide pour une fois. On n'a pas le frigo vide, et puis moi j'ai encore des salades, j'ai encore du concombre à manger, donc ça va, il n'y a pas de problème. Ça sera à manger. Ça sera mangé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit couillon? Bah, qu'est-ce que t'as, mon chien? Bah, tu t'es agrippé à maman, là. Oui. Tu t'es agrippé à maman. Qu'est-ce que t'as, mon grenier? Mon grenier. Oui, ma fine, c'est mon grenier, hein. Bah oui, mais s'il a une grosse tête, regardez, il est toujours collé de là, 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 là. Regardez, on peut pas dire qu'il a un petit nez, là. En gros plan. T'as un gros nez. En gros plan. T'as un gros nez. Mais t'as un gros nez, un gros cul et tout ce qui va avec. Mamie, elle a dit que t'étais gros, hein. Mamie, elle a dit que t'étais gros. Moi, je dis pas, mais je suis d'accord avec elle. T'es trop gros, mon chien. T'es trop gros. Ah oui. Mais bon, c'est pas de ma faute. Mange bien à la cantine. Tu manges bien à la cantine quand t'as envie de manger. Comme le veto dit, si t'as pas envie de manger, c'est pas très grave. Hein? T'as des réserves. Mais c'est elle, la crevette. Elle mange pour 12 et grossit pas. On verra quand elle sera stérilisée. Hein. Ça serait une autre histoire. Hein. D'ailleurs, pour les mauvaises langues, oui, je suis allée chez Action, mais l'argent, je l'ai pris dans mes économies. Hein. Voilà, je précise. Dans les économies que j'avais mis de côté pour mon téléphone. Voilà. Parce que je les sens venir, les mauvaises langues. Hein. Ouais, tu demandes de l'argent quand t'as demandé de l'argent pour Cannelle et comme par hasard tu vas faire les magasins. Ouais, je connais les mauvaises langues. J'ai de l'argent de côté pour le téléphone. Il y a de l'argent de côté au cas où j'ai des courses à faire d'appoint. Voilà. Quelques courses d'appoint si on manque de nourriture. Ou si on a envie d'un menu particulier. Hein. Donc oui, je ne dépense pas tout. Les courses que j'ai fait au début du mois, c'est les courses du mois. C'est les courses en gros pour le mois. Mais si vraiment il y a des choses à rajouter, on rajoute. Voilà. Donc oui, parce que comme j'avais eu le mauvais commentaire comme quoi j'osais demander de l'argent, mais je dépensais la moitié que ce que je devais en course. Voilà. Elle, ça la choque qu'à deux, on fasse 283 euros de course. Ça la choque. Mais si elle sait que c'est pour le mois, est-ce que ça va la choquer à deux avec les animaux? Ça la choque 283 euros de course à deux pour le mois avec des animaux? Ouais, bah écoutez, si elle, ça la choque, hein. Moi personnellement, je trouve que 282 euros de course pour le mois, on s'en sort plutôt pas mal. Sachant qu'il y avait les animaux. Parce que, ouais, non, il y a eu plus de 300 euros, mais on va dire, il y a eu Charlie entre-temps. Il y a eu les croquettes de Charlie, la litière de Charlie. Voilà, on a eu d'autres bas parce que, comme je vous ai dit, mes courses, je les ai fait le premier chez Auchan, mais on n'était livré que le 5. Donc il fallait que je complète à Carrefour pour être livré le 2. Voilà. Donc c'était un peu compliqué. Donc j'avoue que oui, mais après, bon, faut penser que Jen paye ses affaires. Quoi, paye ses affaires? Jen paye des courses, mais tout ce qui est Pepsi et tout ce qui est au chat, ça c'est elle qui paye. Elle gère. Voilà, elle gère. C'est les courses du chat, elle gère. Voilà. Moi, je gère les courses de mes chiens. Voilà. Donc ouais, il ne faut juste pas penser que voilà. Donc on a un budget qu'on ne dépasse pas. Voilà. J'ai un coup de mou. Je ne sais pas si je commence une hypoglycémie ou non. C'est très bizarre. Je commence à avoir voilé. C'est bizarre. Donc je vais manger un petit truc et je vous dis à toutes. Moi je dis, il y a un chat qui est malheureux. C'est pas ton jouet qu'il a vu. Hein. Il est pris au piège. Aide-le. Il est coincé. Il peut pas tout faire en même temps. Je suis coincée, mais je vais me lécher le cul. Allez hop, on lève la patte. Je le filme pas, je filme le gros. Le grenier. Grenier, grenier, grenier.
Oula, t'as une grosse tête. Eh non, mais Muffin, t'as un gros zoom là. Oh bah oui, gros plan sur le gros nez à Muffin. Ah bah oui. Charlie, t'as fini de capter du réseau, non? Oui, moi, t'es croyant. Mais t'es beau, hein. T'es beau, mais t'es beau, mais t'es gros. Vous pouvez pas dire qu'il n'est pas grand, gros plan comme ça. Charlie, t'as du réseau pour combien de temps? Chacha. Tombé, ce chat, c'est Garfield. T'as regardé comment il est assis. Allez hop, on relève la patte. Ah, il a vu un truc, je sais pas ce qu'il a vu. C'est un chat malheureux. C'est qu'il en a un œuf, hein. Ça l'a rendu un petit peu fou l'arbachage. Ouais, l'arbachage, j'avoue. Ah oui, Jenny, pareil, faut que tu sentes les fragrances en vlog. Ouais. Les fragrances US, parce qu'on m'a dit pourquoi tu les as pas fait sentir à Jen? Bah, elle dormait. Comme le chat, là. Il a joué 2 secondes. Oh, il est vénère. Il me regarde mal. Regardez-le, là, me regarde avec ses regards de. Oula, il a rangé une patte. Non, il est vénère. La patte dans le vide. Oi, attendez. Faut que je vous raconte le fou rire d'hier avec le chat. J'étais couchée dans mon lit, parce qu'on essayait de pioncer, c'était l'après-midi, hein. Et je sais pas, il était à côté du ventilo, il regardait une poussière, oui, je n'avais pas encore passé le balai. Et en fait, à ce moment-là, j'ai tourné le ventilo. Là, le chat, il a fait un bond. Il a atterri sur le canapé. Du canapé, il a fait un rebond. Il a atterri sur la table. La table basse. On aurait dit Super Mario. Boum, boum. J'en pouvais plus. Puis il a sauté haut. Hein. Ah, mais la peur qu'il a eue tout seul. J'en pouvais plus. Franchement, c'était à filmer, quoi. C'était à filmer. C'était monumental. Le chat, les bonds qu'il nous a fait. Un Sans rien chacha. casser, sans rien Sans casser. rien casser. Oui, il a rien cassé. En même temps, il n'y a pas grand-chose qui casse sur la table. Mais Non, bon. mais. J'aurais pu tout virer, mais c'est pas grave. Ah non, mais la crise. Puis moi, je me fous de sa gueule à chaque fois. Puis à chaque fois, il me boude. Il déteste qu'on se moque de lui. Il déteste qu'on se moque de lui. Donc voilà. Bon, bah, si Jen est d'accord, elle va sentir les fragrances, mais pas sûr qu'elle veuille montrer sa tête. Voilà. Elle peut pas montrer sa tête. Donc, bah, vous aurez pas sa tête. Donc, ça sert à quoi en fait? Bah, si vous aurez son avis. Mais bon, vous aurez son avis. J'ai Superman dans le lit, merci Melba. Donc écoutez, je vais chercher les fragrances. Jen s'installe à côté de moi. Qu'est-ce que Melba? Et on reprend. C'est bon, chercher les fragrances, je vous ai pas dit l'heure, il est 22h21. Les fragrances sont là. Alors, on va tirer au sort. Cozy. Cachemire. Donc, Cozy Cachemire, moi j'avais dit. Elle sentait bon, mais c'est pas celle-là que je pensais qu'ils sentaient la lessive. Franchement, elles sont bonnes. Bah, elles sont. Ouais, elles sont le propre, quoi. Elles sont le parfum. Limite, tu pourrais. Un parfum que tu pourrais mettre sur toi. Oui. Voilà, c'est vachement passionnant de travailler avec Jay. Ouais. Ça sent bon. Hot apple pie, tarte aux pommes. Ah, elle va pas aimer. Elle va pas aimer. Je le sais, elle va me dire bah, t'as dans la cannelle. Ça sent rien. Ça sent la cannelle. Aime pas. Bah oui. J'étais sûre. Bah oui, bon, là, de toute façon, une tarte aux pommes américaine, t'as forcément de la cannelle dedans. Hein. Ensuite. Vanilla pumpkin pie. Bon, là, j'ai la réponse aussi. J'ai la réponse aussi. Aime pas. Non, aime pas. Aime pas. Bon, je vais te passer la space latte alors. Celle-là, la Pink Sand, c'est clairement la Yankee. Celle-là.
Ils sont tellement bons. Mais pas les doigts. Mais pas tes doigts là, bouge, après, je te préviens. Tu me sens rien. Non. Mais t'as pas d'odorat, ma parole. Pourtant, la pink sonde, elle est... Si, ça sent bon, mais ça sent pas hyper fort, quoi. T'as vraiment pas d'odorat. Ça, c'est sûr. Lemon pancake, donc 4 quarts au citron. Qu'est-ce qu'elle va dire? Attendez. Bon, ça, moi, ça sent le citron. Voilà. Il vaut mieux que ça sente le citron. J'aime bien, mais ça sent ça. Ouais, mais vaut mieux pour une odeur. Si, ça, ça sent bon. Ouais, c'est le saison de 4 quarts au citron. Enfin, sans le citron de base, mais après, quand même, tu sens une odeur de 4 quarts. Là, nous avons la pop cake myrtille. Oh, ça sent la myrtille. C'est mieux. Ah oui, ça sent la myrtille. Ça sent la myrtille. C'est mieux pour un truc à la myrtille quand même. C'est bien. C'est mieux. Hein. Tiens, on reste dans la myrtille. Tarte à la myrtille. Ah, ça sent la myrtille. Les cons. À la tarte. Ça sent la tarte. Oui, ça sent la tarte. C'est mieux. Attends, il y en a une autre à la myrtille. Hein. Je passe la spice latte, non, pistachio, je la garde. Celle-là, je te passe. La blueberry pancake. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Ah, ça, j'aime bien. C'est rare, j'aime bien. Ah, c'est une odeur qui sent propre. Moi, je vais refaire un petit pumpkin spice latte, mais je vous ai dit que je n'étais pas. J'avais une odeur qui... Je sais pas c'est quoi qui me gêne. Si c'est l'odeur des épices mélangées au café. En plus, la citrouille en même temps, bah après, tu peux essayer. Mais bon, vu que t'as pas aimé la pâte à la tarte... oui. C'est... Oui. Il y a une arrière... Il y a une... Ouais, il y a une odeur d'épices. De vieux livres. Oh non, bah là, j'adorerais. Non, non, je sais non, pas. Du livre, j'aime bien, mais si, hein, une odeur un arrière-goût. Un arrière-goût, elle est chelou, ouais. Je me rappelle que ça ne se mange pas. Ensuite, non, celle-là. Okay. Celle-là. Bon, on continue dans les bouffes. Celle-là, la gâteau pistache. Oh, ça sent la pistache. Ah oui, ça sent là. Attention, c'est dangereux. Ça sent la pistache. Et ensuite, on va arriver dans le propre. On va finir par la clean coton. La coton et c'est celle-là, au moins que j'ai dit qui sentait là. Ah, qui sentait la lessive, clairement. Oui. La coton, la ambre et coton. Franchement, si vous aimez les odeurs de propre, vous allez la kiffer. Ensuite, il y a la Winter Wonderland. Je ne l'ai pas traduit en français, cette fragrance, parce que hiver au pays merveilleux, ça aide pas vraiment. Si, ça sent bon. Ça sent bon. Et on va finir. Pas ça. Dans ton coude. Alors, la clean coton. Ils sont bons. Ah bah, ce sont clairement la bougie que je t'ai fait sentir, hein, la Yankee. Hein. Ouais. J'ai hâte de les faire, les gens. J'ai hâte de les faire. Donc, vous avez eu un magnifique retour de Jen entre Empa... Empa, ça sent bon. Empa, ça sent la myrtille. Voilà, ça sert à rien de faire sentir des trucs à Jen parce qu'elle n'a pas d'odorat. C'est pour ça que je ne fais pas trop sentir des choses comme ça. Parce qu'on me dit, ça serait bien que tu fasses sentir à Jen. Alors, déjà, Jen, elle n'a pas forcément envie de se montrer tout le temps à la cam. Non. Pas la peine. Voilà, pas la peine, comme elle vient de dire. Et en plus, bah, là, elle n'a pas d'odorat, donc c'est très compliqué. Moi, je peux travailler la nuit, faire un boucan d'enfer entre je fais la vaisselle, mes bains-maris sont en alu, les bains-maris s'entrechoquent, ça sent, les fragrances à fond les ballons et il y a le bruit de la vaisselle. Elle dort. Ah, quand elle dort, elle dort. Hein. Quand elle dort, elle dort. Bon, là, je pense qu'elle va dormir bien cette nuit parce que vu qu'elle n'a pas dormi,
J'ai dormi cet après-midi un peu. Ouais, mais t'as pas... on n'a pas dormi beaucoup cet après-midi. On s'est couché, t'es 14h, levé, tu t'es levé, il était 18. T'as Je vais dormi dormir 4... ce soir. T'as dormi 4 heures. Oui, ce soir, dans 2 heures, quoi. Ouais. À minuit, elle dort. Moi, faut que je bosse. Donc, je ne sais pas quand j'attaquerai les fragrances des USA. Voilà, je ne sais pas quand je les attaquerai. Mais bon, on verra bien. Mais là, pour l'instant, j'ai encore j'ai 13 ou 14 fragrances en réassort à faire. Donc, parce que la jasmin, je suis en rupture. J'ai aussi les macarons, le macaron citron meringué qui est en rupture. Macaron framboise violette, le format macaron, il m'en reste que deux. Mais ça, limite, je suis pas obligée de le faire tout de suite. Mais limite, des quelques 6 macarons citron meringué, je pourrais faire. Voilà. Donc, voilà. Les fragrances, hop, je les range. Hop là. Donc voilà. Donc c'était, c'est pour ça qu'en fait, John, c'est pas très très intéressant de lui faire sentir des choses, elle a aucun odorat. Donc. Voilà. Parce que des fois, quand je mets des fondants, elle va me dire, t'as mis un truc? Je le sens pas. D'ailleurs, j'ai dit que mon fondant était terminé et je n'ai toujours pas allumé ma fragrance feu de bois. Je vais l'allumer, on va voir si elle sent quelque chose. Ah, maintenant que je le sais, De quoi? c'est Oui, feu de non, mais. bois. Est-ce que tu vas sentir quelque chose? T'as senti le fondant du jour? Non, le chocolat. T'as senti l'after-eight? Et voilà. Qu'est-ce que je vous dise aussi? Elle est chute. La seule façon de lui faire sentir quelque chose, c'est qu'il faudra que je mette le flacon de fragrance Lolita dans trois grains de cire. Je suis sûre qu'au moins elle aurait senti quelque chose. Séduction aussi. Le séduction, ouais, il est pas mal. D'ailleurs, je rappelle que le parfum séduction, le parfum Kenzo, quoi, donc le fleur d'eau, le parfum, donc c'est le Kenzo, le séduction, le papa poule, le bois d'ébène, tout ça, je trouve qu'ils ne partent pas assez, ils sont sous-cotés, mais surtout le séduction, et pourtant le séduction sent très bon. Il a une petite odeur de la nuit de l'homme d'Yves Saint Laurent, il a un petit dérivé, parce que comme je vous ai dit, chez mon pote, il avait la nuit de l'homme d'Yves Saint Laurent, j'avais senti, et en fait avant de partir, j'en avais pas vaporisé sur un peu de... Il avait que du PQ, donc j'avais vaporisé sur un bout de PQ, et en arrivant à la maison, j'ai senti les séductions, je fais à John, regarde, c'est presque kiff-kiff. Et après, quand ça s'est évaporé, c'était plus la même chose. Donc, ouais. Donc, c'est une petite odeur de Yves Saint Laurent. Mais donc, je préfère pas mettre que c'est une inspiration Yves Saint Laurent. Parce que c'est peut-être pas ça. Mais bon. Et non, je ne suis pas une pro des parfums, comme on m'a dit. Ce n'est pas parce qu'on connaît certaines odeurs de parfums qu'on va travailler chez Sephora. Merci. Surtout que sachant que quand je passe devant un Sephora. Sephora. Quand je passe devant un Sephora, un Marionneau, un tout ce que vous voulez, un Nocibé, j'ai les poils des narines qui sont cramés. Hein. Clairement. Je ne sais pas comment font les vendeurs, les vendeuses, vendeurs et vendeuses, là-dedans. Clairement. Parce que moi, je passe devant un magasin comme ça, j'ai mal au crâne pendant 3 jours. Et en plus aussi, il faut aussi penser que je n'ai pas le diplôme d'esthétique. Hein. Je ne fais pas travailler en magasin de cosmétiques, alors j'y connais que dalle. Si vous voyez, je me maquille une fois tous les 10 ans. Voilà. Donc, comment dire que non, je n'irai pas travailler dans une parfumerie. Voilà. C'est pas parce que je connais quelques odeurs que je suis une pro. Voilà. Jen connaît plus d'odeurs que moi parce que le mâle de Jean-Paul Gaultier, elle le connaît, je le connais pas. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu dire que le produit détergent pour le sol sentait le mal de Jean-Paul Gaultier. Donc voilà. Donc après, bah moi là, ce soir je vais travailler, ça va être bien. Ça va être bien, faut que je me motive. Faut que je me motive. J'ai les poils du nez cramés. Non, je déconne. Ça va encore. C'est pas des parfums puissants comme en parfumerie ou. C'est des fragrances, c'est pas la même chose. C'est des huiles en fait, c'est des fragrances. Donc c'est pas du parfum. Bah, c'est pas du parfum pur comme on a en parfumerie, quoi. Avec de l'alcool et tout ce qui va avec. Ah, ma crevette, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, la crevette? Oui, oh, j'étais fatiguée. T'as une de ces têtes. Non, mais t'as une de ces têtes. Non, mais elle a une tête, mais. J'en peux plus de sa gueule. Elle me regarde avec son petit sourire, là.
Ah, il y en a un qui est jaloux. J'ai dit Melba. Et lui, hein, jaloux comme pas deux, hein. Bah oui, mon petit couillon. Mais t'as un gros nez. Mais tu le sais, tu mets ton nez devant la caméra tout le temps. Et Charlie, il fait pouf. Il fait pas ch'pouf, Charlie? Ouais. Charlie, il arrête pas de miauler depuis ce matin. Voilà, il miaule. Tu sais pas pourquoi. C'est pas pourquoi il a envie de faire chier son monde aujourd'hui, je crois. Ou c'est l'heure des papouilles. C'est l'heure des papouilles du chat. Ah bah oui, tout le temps. Charlie, papouille? Je vous montre. La papouille du chat, ouais! Papouille du chat, papouille du chat. C'est la papouille du chat. Chacha? Chacha, Charlie? Chacha, Charlie? Oh. Oui, vous l'avez vu là, le petit coup de patte qui discrètement, il y a le chien qui passe, je mets un coup de patte. Qu'est-ce que tu veux? Là, j'ai filmé, là, Charlie, t'es grillé. Hein. Non. Muffin, tu lèches pas. Ah, Charlie, je t'ai filmé, t'es grillé. Muffin, je crois que t'as un problème. Range ta langue, Muffin. Attends, il y a un autre chien qui arrive. Charlie, il a pas un bon. Ce chat est très très courageux, vous avez vu. Ah oui, ils ont plus d'eau fougère, on va mettre. Non. Attends, mais ce chat, il est blasé. Il va rebouger dans 30 secondes. Il sait pas rester en place. Muffin, tu ranges ta langue, s'il te plaît? Non mais installe-toi mieux, vas-y hein. Non, bah alors là, Jen, t'as perdu d'avance, hein. Ah bah alors là. T'as bien regardé moi ce chien. Non, 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 non. Ma fune. Moi, c'est de filmer le chat de base. Ma fune, pas le visage. Charlie, il voit des choses. Je sais pas ce qu'il voit, mais il voit des choses. T'as vu un truc le chat? Non mais regardez-moi ce chien bien installé là. Pff, gros patapouf! Oui, je confirme. Mais Gros patapouf. Tu es trop l'autre il mignon. embraye, il tire la langue, il est à 5 km, c'est. Muffin! Lève-toi. Jen essaye de faire ses muscles. Les abdos avec plus ses fers. Parce que tu vas me lécher la bouche. Il est minuit 38. On a fini de manger. Alors ce soir, moi, j'ai mangé du concombre et un demi-melon. Vous savez, le melon grand comme une balle de handball avec du jambon. Moi, ce que j'ai mangé ce soir, Jen a mangé son quart de pizza. Elle n'a pas voulu de la moitié du melon. Donc, il faudra que je la mange assez rapidement. Si elle ne la mange pas demain, je la mangerai donc demain. Voilà, avec du jambon toujours. Oui, je mange du melon avec du jambon cru, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est excellent. C'est mon doigt qui a craqué. Hein. Ce n'est pas moi qui ai pété, comme on pourrait croire. Non, c'est mon doigt qui a craqué. Voilà. Faut que je me mette au boulot et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pris 13 boîtes aujourd'hui. Mais il m'en faut 15. Donc en fait, les deux fragrances, Pumpkin Spice Latte et Vanilla Pumpkin Pie, je ne les ferai pas tout de suite. Là, je vais travailler ce soir, donc je vais faire les 13 ou 16 fragrances que je dois faire. Je ne sais plus, j'en ai compté combien. Je vais mettre ça en place. Je crois qu'il y en a 13 ou 16, je ne sais plus. Il faut que je mette ça en place. Et je ferai les fragrances USA plus tard, mais je ferai donc les deux Pumpkin, Spice Latte et Vanilla Pumpkin Pie. Je les ferai plus tard quand j'aurai mes deux autres boîtes. Voilà, parce que je n'ai pas mes deux autres boîtes, donc c'est compliqué.
Voilà. Après, je peux les faire et les mettre en sac congèle le temps que j'ai les. Quoique j'ai des boîtes, hein, j'ai des petites boîtes, mais le truc c'est que elles ne seront pas mises en sachet, quoi. Elles ne seront pas mises en sachet individuel, puisque c'est des petites boîtes d'1 litre 5. En fait, tu mets rien dedans, quoi. Tu les mets sans sachet, quoi. Tu les mets pas emballées. Donc je verrai. Et en fait, de toute façon, bah, je pense que j'irai donc en septembre. Quand ma mère rentrera de vacances, j'irai donc chez Action, parce qu'en fait, oui, d'ailleurs, je dois décaler mon rendez-vous au dentiste. J'avais rendez-vous le 5 septembre, rendez-vous pris depuis juillet. Ma mère m'annonce qu'elle n'est pas là. Alors, je lui ai prévenu que j'avais mon rendez-vous le 5 septembre. Elle m'annonce qu'elle n'est pas là, elle est en vacances, elle n'avait pas le choix de la semaine. Voilà. Bon. Eh bien, tant pis, j'ai demandé à décaler mon rendez-vous, sachant que là, la dentiste est fermée, donc j'ai envoyé un mail. Voilà. Vendredi, il faut que j'appelle le CMP, parce que je n'ai toujours pas de nouvelles de l'ordonnance à la pharmacie. Et il faut que je sache comment ils l'ont envoyé à la pharmacie. Voilà, s'ils l'ont envoyé par mail, s'ils l'ont envoyé par la poste, je ne sais pas comment ils ont fait. Faut qu'ils la transmettent au plus vite, parce que moi, je n'ai plus de traitement. Je n'ai plus d'ordonne, quoi, je n'ai plus de traitement, du moins d'antidépresseur, j'en ai plus à partir de mardi. Lundi, c'est mon dernier jour. Mardi, j'en ai plus. Donc, va falloir, bah, sinon, limite que je me fasse avancer mon traitement avec l'ordonnance que j'ai gardée. Voilà. Mais sinon, voilà, faut que j'attende, voilà, parce que je n'ai pas rendez-vous avant octobre, normalement. Et il faudrait bien que que je sache mon rendez-vous aussi. Donc, voilà, donc bah, demain, aujourd'hui. C'est férié, nous sommes le 15 août. Donc voilà. Donc je vais préparer mon taf. Je vous montre vite fait et j'ai déjà commencé le montage du vlog. Je suis presque 40 minutes. Là, je dois être à 40 minutes. Donc je vais juste montrer mon travail, quoi. Comment j'ai installé ma table, les fragrances que je fais. Et puis voilà. Et je vous reprendrai pour faire le tirage au sort du fondant de demain. Et voilà. Donc là, j'ai mis Firewood. Clairement, ça ne sent rien. Ça sent, hein, il y a une odeur, mais dans le flacon, ça sent beaucoup plus puissant. J'ai mis la dose, hein. J'ai mis la dose, je ne sens rien. Donc heureusement que je ne la commercialise pas, elle ne serait pas partie. En soi, ça sent pas mauvais, hein, mais ça ne serait pas parti. Je trouve ça pas assez puissant, même là j'ai lu plus de 10% là clairement. Hein. Je sais pas ce que j'ai mis, mais j'ai mis clairement, bah, j'ai mis une poignée de cire, donc une poignée de cire, ça doit faire 50 grammes. Et pour 50 grammes, je dois mettre 5 grammes. De cire, c'est 5 grammes de fragrance, clairement, c'est ce que j'ai dû mettre. Moi, est-ce que j'ai mis une grosse poignée, hein? Bah, je sens pas, je sens pas. Ça reste léger, voilà, ça reste léger, mais voilà. Donc, heureusement, je la commercialise pas. Mais je pense qu'il y a des fragrances qu'il va falloir que je reprenne en plus gros, la Clean Coton, la Ambré Coton, ça reste dans les fragrances. Fragrance, bah, qu'on peut dire. Oh. Fragrance propre, la Ambré Coton, la Clean Coton, même la Cozy Cachemire aussi, elle rentre dans le propre. Voilà, ça peut être une odeur de parfum féminin que vous pouvez mettre sur vous, clairement. Après, je pense que quand j'aurai toutes les fragrances, je ferai un coffret. Pâtisserie myrtille, parce que j'ai la muffin myrtille, j'ai la pop cake myrtille, pop cake myrtille, la tarte à la myrtille et la pancake myrtille. Donc j'en ai 3, 4. J'en ai 4 en tout à la myrtille. Donc je peux faire une catégorie dessert à la myrtille, clairement, si je ne me trompe pas. Oui, j'en ai. J'en ai bien, attendez, en myrtille. J'en ai bien. Une, deux, trois. Bon, il y en a trois à la myrtille dans les fragrances US. Et j'ai la muffin myrtille, moi, à moi-même. Donc, ouais, déjà, je peux faire un coffret pâtisserie myrtille. Voilà. Déjà, ce sera un coffret de quatre fondant. C'est faisable. Je verrai. Pour l'instant, je n'ai pas encore tout
tout mon matos, quoi, tout mon matos, j'ai pas encore les fondants. Donc, ouais. Donc écoutez, j'installe mon travail et je vous montre. À toutes. Il est 1h07, je viens de finir d'installer. Donc vous avez là, tout là. Donc Nivea, Palo Santo, pomme, jasmin, orchidée noire, Lolita et menthe chocolat. Normalement, je ne me suis pas plantée. Ensuite, le magie de Noël est dans le moule de Noël. Ensuite, là, vous avez donc le reste. Vanille, orchidée, Angel, donc Vita Magica, bois d'olivier, fleur de cerisier, non, lèdrier et cerisier. Donc, c'est ce que j'ai mes rituels. Fleur de lotus. Là, vous aurez le Jean-Paul Gaultier et là, le Hugo Boss. J'essaie de m'arranger comme je peux. Faut encore que je nettoie les moules, là, les traces blanches, que je mette un coup d'alcool iso machin, là, à propos machin, pour enlever ces traces. Voilà, donc, je vais faire ça. Et après, je commencerai le travail un peu plus tard. Voilà, donc il y a du taf. Donc, allez hop, je me motive. Tirage au sort du fondant de demain et le gagnant sera Bébé Doux. Super! Il est 1h09. Donc, oui. Il s'est rien écoulé depuis que je vous ai filmé mon installation. Je voulais juste clôturer le vlog comme ça je le montrais pendant que je travaille. Quand je finirai de le monter pendant que je travaille. Et puis voilà, donc là je dois nettoyer les moules comme je vous ai dit. Choisir les paillettes, le mica. Voilà, faire que tout soit tout beau. Et puis voilà, donc parce que je ne sais pas encore quel choix faire. Quel choix faire, donc je pense que les rituals, quoi les rituals, ce que j'appelle le rituals, donc le laiterie et cerisier sera blanc avec des paillettes roses. Voilà. Après, bah, le Angel et le Vita Magica, ils ont déjà des codes couleurs, on va dire. Après, mon chocolat, j'essaie de faire un effet, mais je ne promets rien, je suis pas sûre d'y arriver. J'ai quand même essayé, mais je promets rien. Après, voilà. J'ai essayé de faire un effet, mais je ne promets rien. Donc, ce que j'avais essayé une fois, ça n'avait pas fonctionné. Quoi, du moins, c'était retombé. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Donc, voilà, j'avais arrêté cet effet. Voilà. Donc, bon, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez lors du démoulage si ça a pris ou non. Ce sera la surprise pour tout le monde. Donc, écoutez, je clôture le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!